Guillermo, bonjour. Bonjour. Photographe reporteur chilien. Voilà. Ouais. Et chartrain à la fois. Oui, bien sûr. Alors, tu as peut-être un message à lancer, un message d'espoir pour le mot du jour. Oui. Pour le Chili. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir malgré que ces jours gris et horribles d'une pollution de pétrole dans un petit port de pêche, ouais, qui s'appelle Infiernillo, petit enfer, on pourrait dire en français. Petit enfer. Voilà, un petit enfer. Et c'est vrai, un mec qui sait tirer son bateau qui s'en va, il y a des gros bateaux derrière. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un peu... Voilà. Et c'est pollué, complètement pollué, on le rappelle. Pollué, alors, le problème est que tout le matériel de pêche de ces gens-là, ils sont partis. Quoi. À cause du séisme, on le rappelle. Voilà. Et par contre, il y a aussi cet espoir des jeunes qui viennent de loin et qui assistent et qui préparent un numéro de cirque pour aider les jeunes à monter cette épreuve dure. Quoi. Et je pense que ça, les jeunes étaient toujours présents pour monter les morales. Donc c'est deux belles images d'opposition, voilà. En opposition. Voilà. Voilà. L'enfer et l'espoir. L'espoir, voilà. Bueno, y otra cosa más es que aquí yo creo que hay una cosa que tiene que quedar claro y que este Chile así no quiso ayuda, pero la verdad que las ayudas llegaron de ellos mismos, de una fuerza increíble que sacan en este tipo de catástrofe. Gracias.